sommes ici ce soir, c'est à la fois pour la reconnaissance de tout ce que le personnel du Salon de la vie fait pour nos étudiants, les amène où ils sont rendus, et aussi la consécration ce soir pour nos étudiants libres. Est enfin arrivé. Nous remettrons sous peu la médaille du centre et le prix de la commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup. Chacune de ces mentions est accompagnée d'une bourse. Les 9 boursiers industriels, récipiendaires des médailles de secteur, ont passé une seconde entrevue de sélection afin de déterminer les méritants de nos dernières bourses tant convoitées. Les critères de sélection pour la médaille du centre et le prix de la commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup étaient, en premier lieu, le respect des critères de l'excellence, soit l'assiduité, le comportement et le rendement. Ces deux mentions sont donc remises aux deux élèves les plus performants ayant un haut degré d'excellence. De plus, ils ont su démontrer, lors de l'entrevue, un dynamisme et un leadership positif, une bonne confiance en soi, une facilité à s'exprimer, une jovialité et une politesse adéquate, un respect des autres, du milieu, ainsi qu'un respect des règles du centre. Sans plus attendre, voici donc les noms, des élèves en nomination médaillés de secteur, à qui je demande de venir me rejoindre sur le podium. Du secteur entretien d'équipement motorisé, M. Billy Santerre. Du secteur de métallurgie, M. Michael Rousseau. Du secteur électrotechnique, M. Jimmy Gagnon. Du secteur fabrication mécanique, M. Jean-Daniel Foch-McKenna. Monsieur Nicolas Williams. Du secteur foresterie et papier, Monsieur Francis Auroy. Du secteur alimentation et tourisme, Monsieur Louis-Charles Baker. Du secteur administration, commerce et informatique, Monsieur Junior L'Italien. Santé, Madame Chantal Morin. Je tiens à vous féliciter de votre haut degré d'excellence, ainsi que des qualités dont vous faites preuve. Vous êtes des personnes remarquables. De belles découvertes ont émergé de l'accord 2015-2016.
Que de belles rencontres, de beaux témoignages nous avons eus lors du comité de sélection. C'est pourquoi, de façon exceptionnelle, cette année, nous avons décidé de remettre une mention au coup de cœur. Alors, le coup de cœur du secteur foresterie et papier du programme Pâte et papier opération, M. Francis Roy. Alors, pour sa passion, sa maturité, son ambition, sa détermination, sa fierté, pour l'exemple qu'elle a démontré à sa famille, pour son empathie et pour son engagement face à sa future profession, accueillons l'élève du centre du programme du secteur santé, programme assistance santé et services sociaux. En plus de répondre à tous les critères mentionnés plus tôt, notre personne militante s'est démarquée par son implication personnelle, sociale, scolaire et communautaire. Cette personne se distingue de plus par son engagement. Pour son engagement. Et je le répète encore, pour son engagement de son, envers son groupe, des activités, de son programme, que des temps. Tant au niveau de son groupe, des activités de son programme, que des activités du centre. C'est une personne remarquable, fonceuse, disponible, curieuse, calme, faisant preuve d'un grand leadership, d'un désir de transmettre aux autres, d'empathie et de persévérance. J'ajoute même, si j'étais un employeur, je voudrais certainement l'engager. Alors, c'est avec plaisir que je remettrai la bourse de la commission scolaire commerciale aujourd'hui. Sans plus attendre, accueillons chaleureusement une personne motivée, passionnée, qui sera dans les prochains jours un bon ambassadeur de notre remarquable centre de formation professionnelle Pavillon de l'Avenir dans un stage outre-mer. Alors, vous l'avez deviné, le groupe de la commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup va à M. Louis-Charles. Yeah! Chers donateurs, merci d'avoir été là ce soir, mais également au fil des ans. Sans vous, sans votre implication, ce gala n'aurait pas la même ampleur.